Resident Evil Zero. Une ville américaine du Midwest, Raccoon City. Une île isolée en loin des côtes. Rockford, Island. Une île qui allait devenir le second Raccoon City. China, Island. Cet événement tragique qui semble approprié suscite toujours de nombreuses questions. Certains pensent qu'une organisation impliquée dans cette affaire s'est emprunt là. On ignore cependant comment cette organisation sans visage a vu le jour. Quand a-t-elle été fondée? Et par qui? Plus tard. Comment le virus-t-il a-t-il été créé? Le seul moyen de faire ce rapprochement est de revenir au tout début avant l'incident du manoir. Un 3 juillet 1988, Forest Raccoon, du 20h17. La VR, la 3. Alors, on est bien là? Deux heures plus tard, au-dessus de Raccoon City. Tout a commencé par une enquête de police étrangement contenue dans la banlieue de Raccoon City. Rien n'aurait pu nous préparer au cauchemar que nous allions vivre. Rien. Nous n'avions aucune chance. Qu'est-ce que c'est? Pas de moteur! Atterrissage d'urgence! Voilà, on y va, les gars. Oh là là. Adieu. Ouais, adieu. Hé, hey, Captain Machin Rico, oui, regarde. Bonjour, ouais. MP, c'est des Magic Points. Eh, hey, j'ai mal aux dents. Oh, voilà. Captain. Oui. Que s'est-il passé? Ordre de transfert. Prisonnier Billy Cohen, ex-lieutenant de 26 ans, jugé en cour martiale et condamné à mort le 22 juillet. Le prisonnier doit être transféré à la base de Reclamator. Il a été exécuté. Laisse tomber, c'est pas pour toi ce genre de choses. C'est pas toi qui devais dire ça. Oh là là, mais cette pourriture s'est tuée. Non, on va se séparer et fouiller la zone. L'individu est brutal et sans pitié. Restez vigilants. Pourquoi ils m'ont laissé toute seule? Comment je vais faire, moi? J'ai peur. Ils devraient jamais laisser une débutante toute seule dans les bois. Hein? Oh, mais c'est qu'un chien. Oh, c'est bon. Un train? Get down. Qui est-ce? Je vais entrer dans le train. On sait jamais, il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Des choses intéressantes. Intéressantes. La porte est fermée. Impossible de faire. Les courses? Demi-tour. Y'a quelqu'un ?
Yedan, tout le monde, présentez votre ticket de tombola. 26 personnes. Tiens, les bagages. Les sont éparpillés dans le compartiment. Les sièges sont couverts de sang avec des morceaux de chair et des morceaux de lin. Ah, mais c'est dégueulasse. Et de cerveau. Ah, oh. Oh, mais c'est horrible. Bon, je vais changer de pièce. Je suis l'officier Chamber de l'équipe Bravo des Stars. Présentez armes, déclinez votre identité. Sortez les pièces d'identité. Il y a quelqu'un en fait? Oh! Il dort? Ah, bah c'est le. Je vais lui piquer pendant qu'il dort. Eh, bah super, j'en avais besoin d'un. Eh, qui t'a demandé de piquer mon téléphone portable? Excusez-moi, je vous le rends. Ah, bah il peut de la. Ah! Papier! Ah non, il pleut, j'ai pas pris mon umbrella. L'averse commence à tourner à la pluie torrentielle. Oh mon dieu, comment je vais et rentrer. Michel même. Cardoz nous l'a pas prévenu à la météo. Le 19 juillet. Le jour fatidique approche, je suis de plus en plus inquiet. Les journaux de la quantité et la télévision ne parlent que de l'étranger mort et perpétué dans le virus. Ça ne peut pas être le virus. Si c'est le cas, non, ce n'est pas le moment. Je dois me concentrer sur l'enquête et tout faire pour que ça se passe bien. Retour, retour, retour. Tiens, ça se trouve, il a d'autres trucs. Attends, je vais fouiller un petit peu. Voyons, oh, tiens, c'est joli, ça, je prends. Qui Billy, le lieutenant Cohen? C'est vous? Si, c'est moi. Vous savez qui je suis. Ça vous fait quelque chose de me rencontrer, non? Non, pas du tout. Et vous êtes prisonnier qui était en cours de transfert pour être exécuté. Vous étiez avec des soldats dehors. Ouais, c'est ça. Même je vois, je vous appartenais au Star, l'étoile filante. Bon, sans être méchant poupée, vos petits coins-coins, là, me veulent pas de bien, alors je vais m'éclipser comme un soleil. Hé, hey, revenez ici. Attendez, vous êtes en état d'arrestation. Attends, non merci petite, dégage, je suis déjà donné pour qui, hein. Je pourrais vous tirer dessus, vous savez. Ouais, hein. Tu pourrais, ouais, salut. Ah, mais je suis bien aimé. Oh, Edwards. Edouard, c'est toi. Ça va? Que s'est-il passé? C'est pire que... On ne peut pas... Fais attention, Rebecca. On m'a foutu du collagène dans les membres. Il y a des forêts pleines de zombies? Ouais, et des zombies et des monstres. Et des monstres aussi, des zombies et des monstres. Des monstres et des zombies. Ah, j'ai mal. Edouard! Bref! Tu m'as volé mon goûter. Quoi? Un monstre horrible. Tu m'as volé mon goûter. Tiens, rassure-toi. Mais tu m'as volé mon chien. Amas, il y a un frère jumeau. Mais j'ai jamais eu envie de l'homme. Lâche-moi ma montre. Traîne-moi ta montre. Que je sache l'heure. J'en ai besoin, moi. L'heure de notre rencontre. Au secours. Edouard. Billy. Ah, mais il faut que j'aille faire un rapport. Faut que je me tire d'ici. Combien de temps j'ai resté debout? Tiens, prends ça. Ah, si je me bougeais. Et puis ça. Attendez, madame. Laissez-moi parler. Si je pourrais vous tirer dessus. Hein. Et vous aussi. Madame, vous savez comment passer le troisième monde dans Super Mario Bros? Ouais, attends, je vais t'y envoyer au troisième monde. J'ai du mal, là. Oh, malin, Rebecca. C'est Rebecca, vous. Oh, Rebecca, tu m'entends? C'est Enrico. Retour à toi. Enrico? Allô, tu me reçois? Enrico. Réponds. Répondez. Enrico, je te reçois. Écoute-moi. Nous avons obtenu un renseignement détaillé. C'est positif grâce au document trouvé sur le rebord de la fenêtre. Barricouin a tué 23 personnes à vif. 23 personnes? Mais c'est minuscule, vous savez du tout. Ça m'a également dit un mec qui a été interné. Alors là, je suis dégueulasse, ne tombe pas amoureuse, tu m'entends, Rebecca?
Norma tombe pas amoureuse. Sans prudence, il n'hésiterait pas une seconde à se trouver. Et à te la mettre dans. Enrico, capitaine. Allô, allô, à lui. Allô, what's up? Hello. Je sais plus. Oh, c'est hey, pas grave. Oh, oh, hey. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle est où la sortie là? Je pourrais vous, heures, vous tirer dessus si putain je voulais. De sortie. Hein? Vous avez utilisé la clé de train. Vous n'avez plus besoin de clé d'acheter. Aïe! Bon, les choses s'annoncent difficiles. On devrait faire équipe. Faire équipe avec vous? Mais oui! Écoutez, petite, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est un groupe de sales créatures et je n'ai aucune envie d'y laisser ma peau. Je doute qu'on puisse en sortir sans faire équipe. Vous pensez que je vais faire confiance à un criminel? En fait, en plus, je n'ai pas besoin de vous, je peux régler le problème tout seul. Il m'appelait plus petite, sinon je vous pète la figure. Je sens que t'es en train de tomber amoureuse. Mademoiselle, je me débrouille toute seule. Comment dois-je t'appeler? Mais contente-toi de faire les chambres et de tout nettoyer bien, Rebecca. Je vous laisse essuyer. J'attends ici. Bien, Rebecca. Je vous laisse essuyer. J'attends ici. Je sais jamais s'il faut faire des bruitages ou pas. Yeah. Oh. Eh, Vertel, on se casse. Eh, Robert, elle est trop dure. Ah. Ça va? Ouais, ça va. J'aime bien ta gueule. Bah moi j'aime pas la tienne. Eh, je suis sûr que je te fais mouiller. Ah. Eh, Marcel. Herbert. C'est papa. Eh, hey, maman. Ah, c'est qui, Slip? Bon. Oh. C'est toi qui as fait ça avec le bougeant tes fesses? Que se passe-t-il? Mais qui qu'est-ce qui se passe? Ce train? Oh là, allez voir la locomotive! Ouais, j'y vais! Écoutez, on va vraiment devoir faire équipe à partir de maintenant, compris? Pourquoi ça? Je suis pas abusé, ouvrez les yeux! Oh, vous préférez y rester? Ouais, bon, d'accord, mais je vous souhaite à la moindre entourloupe, je vous abats comme un chien! Et puis un chat! Oh, bien! Prends ça dans ta tête! Mais je m'en fous, j'ai les munitions infinies, moi. Oh, si vous trouvez quelque chose, appelez-moi. Mon numéro, c'est le 0680. Merde, ce n'est pas la suite. C'est Attaki Walki, idiot. Ah, juste. Adieu, les joueurs. Vous voulez pas le lire? Bah, je sais pas, moi. Ouais, je suis, oh, hein. Oh là là. Ah, donc, c'est comme un petit chien. Il va trop vite. Il reste un pain d'ami manger. Vous voulez le finir? Tiens, je te laisse. Ah putain, il y en a plein la figure. Ouais, aïe, c'est aïe, pas aïe. Possible. Ah. Oh, oh. Oh, je me suis pris une guêpe sur la narine gauche. Ah, putain, j'ai pas de parapluie. Oh. Pour une fois que j'ai besoin d'un umbrella. Oh, tu fais un parfum avec ton gros fion. Les câbles d'alimentation ont été déconnectés, reconnectés le câble avec l'eau et l'électricité. Ok, hop là. Ah voilà! Oh! Ah, que c'est des gants! Ah! Hé, qu'est-ce que tu fais? Chardonnay! Bon, tu me rejoins là? Allez, tombe dans le trou toi aussi! Prendre un objet, l'herbe verte! Utiliser l'objet! Voilà, direct! Bon, alors tu me rejoins ou t'as les boules? Moi, c'est. L'horizon est très joli, la vue elle est bien! Je reste. Quelque chose est coincé dans la serrure. La poignée ne peut pas tourner. Vous pourriez sans doute la débloquer avec quelque chose de pointu. Quelque chose de pointu, zut. J'ai pas ça. Billy, viens voir ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Allez, mais toi, c'est qu'est-ce qu'elle veut, la grosse? Mais j'ai peur, moi! Mais pas un train d'ici! Ah bon? Alors, je vais faire le tour!
Ah, pourquoi tu me proposes quoi? Du pâte ou des raviolis? Oh! Allez! Avec le bol que j'ai, je vais sûrement prendre une peau de banane, la seule qui reste dessus. Ouais, c'est pas beau ça. Quand toi est plein de plats différents, miam miam, y a rien de mangeable. Avec les mitraillettes? C'est quoi ça? La porte est verrouillée de l'autre côté. Déverrouille-la. Ah, je vais pas la déverrouiller. Laisse-la alors. C'est quoi ça? Un réfrigérateur. Ouvre-le. Je peux l'ouvrir de l'intérieur. J'espère qu'il va faire bon usage. Oh, moi là, je fais quoi? Oh, si c'est un rêve. Alors. À manger un rayon. Pas de manger. Allez, petit chien. C'est quand on a un fessier de stance. Le cadavre porte d'innombrables morsures. Il tient quelque chose. Vous voulez quoi, fouiller les poches? C'était dur. Il y a une caisse, voulez-vous la voler? Le comptoir, c'est celui-là. Il est couvert de verre insalubre. C'est quoi ça? Je suis vraiment attention. Ah, je suis Oka. Avec Oka, c'est la fête. Tiens, ramasse. T'es pas Oka, toi, hein? Eh, le pince-oreille. Oh, t'es mort? Réponds pas, c'est cool. Je dors. Mais il est mort. Prendre un pied de panneau. Pour lever quoi? J'ai faim. Panneau, peut-être. Oh, tiens, il y a un trou bien dans le plafond. Voulez-vous... Le peindre noir? Non! Je trouve... Attends, c'est quoi ce bordel? Cadavre de star. Oh, le Milou! Montre-moi ta montre! J'ai pas de montre! Laisse-moi tranquille! J'ai vu quelle heure il est! Laisse-moi tranquille! J'ai même un rendez-vous! Quoi? Tu veux venir? Allez, viens avec moi! C'est mon cadavre! Oh, elle est toujours allongée, elle! J'aimerais bien arriver par derrière! Non, bon, d'accord. Quoi, Kitia? Elle a bougé? Tu as bougé? Tu as peut-être envie de... Tu veux qu'on monte? C'est ça, hein? Tu veux qu'on monte là-haut, hein? Attends, je regarde d'abord s'il y a personne pour nous embêter. Il y a personne? Ah! Ben voilà, enfin quelque chose de nouveau! Ah, un compartiment que j'avais jamais vu! Bien, bonjour monsieur. Je m'appelle Ifrit. Rentre-toi madame. Je te fous la méga truc dans la gueule. Attends, je me relève. Je vais l'achever, ça sera bien. Mon amour est si grand que je brûle de l'intérieur. Viens partager cet amour. J'ai pas le temps, j'ai pas gaspillé les munitions. Tu as tout sur toi, mais c'est très bien. Je vais prendre une pièce de 10 francs. Ah, quelle force! Oh là là, te rends compte le truc à 500 kilos, Ouais, 500 grammes plutôt. Entraînant le fils sanitaire. Allez! J'ai l'impression de m'être réincarné en Domestos! Je débouche les canalisations! C'est une bonne idée de venir ici! Par ici! C'est le levier du verrouillage! Mais non, c'est pas le levier du verrouillage! C'était quoi si c'est ça? Ça ouais, bien. C'est très bien! Bon, il s'est remis le levier! On fait quoi là? Tu te termines à quoi? Un peu de la nature comme elle est belle! Oh, j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Regarde! C'est le levier de déverrouillage! L'actionnaire! Ça marche mieux avec les gonzesses! C'est mieux comme ça, voilà! Il suffisait d'être une gonzesse pour que ça marche. Ah! Tu fais quoi? J'ai mal à la tête. Je peux pas ouvrir. Il y a du sang sur la poignée, on sait pas d'où il vient. Mais ouais, c'est ça, toujours les bonnes bêtises. Ah, mais t'as qu'à mettre ta main, toi. Bon, allez, avance. Tu as peur. Bon, alors, Bah, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je le tue. Mais tu l'as eu ou pas? Bah, je sais pas, moi. Moi, j'ai essayé de viser sur le coin de ta gueule, mais j'ai pas réussi. Oh, excuse-moi, j'étais en train de recharger, j'ai pas voulu te tuer.
Bah vas-y, allez, achève-le. Attends, j'ai une mouche sur le plafond. T'es d'accord de la tuer, la mouche? Pas malin. Oh là, on dirait qu'il y a un compartiment sous la crèche. Avec Jésus, où est passé la crèche? Ah, voilà, enfin seul. Ah, j'ai plus besoin d'avoir plein de monde. Et pourtant, il y a des choses à mes pieds, j'ose pas le prendre parce que si je suis dans la figure... J'aurais mieux changé de papier peintre, un peu pourri. Pas un énorme jet. On peut mettre aussi une lumière. Oh les mains, c'est pour mettre dans la station. Qu'est-ce qu'il y a? Pas bon, papier peint. Et marchez-moi sur la queue, je vous dirai rien. Vous pouvez pas emmener cet objet. C'est un gâteau. C'est le sang d'un hamster. Marcel, déclare, Marcel. Oh, merci. C'est des chics, du... D'où dis-moi ici. C'est que lire. Qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise, Billy? Je vous conseille d'aller là-bas. Ah, lâchez-moi. Vous serez débité de 50 points à chaque mauvaise blague. C'est un placard, la porte est équipée d'une série spéciale. Laisse-moi parler, toi. C'est moi. Oh là là, c'était parti pour un coma éthylique. Oh, le montage. Qu'est-ce que tu fais derrière moi? Qu'est-ce que tu fous devant moi, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai eu un montage diabolique, j'ai rien compris. Bon alors, tu l'ouvres? C'est un placard, bravo! La porte est équipée d'une série spatiale. Oh! Le placard est plein de vêtements décousus, certains réhabilités. Changer de vêtements? Je vais mettre la robe, elle me va si belle. Ah, oh, c'est beau! Oh, regarde pas ma culotte! Tourne-toi, s'il te plaît. Oh, merde. Ah ben... Ça, c'est tout petit. C'est tout petit, en effet. Salaud. Quoi, qu'est-ce qui va? Il y a quelqu'un contre moi, là. Ah, il y avait des lunettes avec. Oh, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais me servir, aussi. Ah, il y a peut-être quelque chose qui me va bien, moi. Le placard est plein de vêtements différents. Certains iraient à Rebecca. Changer de vêtements en cowgirl, en cuir, en kitté. Cuir en cowgirl. Ouais, cuir. Voulez-vous changer en kitté? C'est une nouvelle mode en kit. Ah bah voilà. Oh, comme bouge tes yeux. Comment ça, je suis moche? Ah putain, qu'est-ce que je suis sexy. Hey, et tiens, je vais te les décousir, moi. Ah, Rebecca, tu n'aurais pas un fer à repasser? Je pourrais les repasser sur toi. Oh là là, oh, la porte. C'est presque aussi sale que la porte. Quoi, oh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, un portail. Eh merci. Tiens. Hey. Ah bah évidemment c'est plus facile si t'as une mitraillette. Ouais, tu t'y as comme je peux. Je fais avec les moyens. Regarde, moi je suis comme ça, donne un peu couteau. Aïe. Tiens, bien fait. Tiens. Ça fait mal. Eh hey, mais hey, aïe. Prends ça. Pas... Ça t'apprendra. Ça va. T'es fou, hein. J'arrive. Tiens, prends aïe. Let's go. Attends-moi. Tu t'en sortiras pas comme ça vivant. Qu'est-ce qu'il faut encore? Bah rien. Arrête de faire des bêtises dans mon dos. Et tiens. T'es en train de faire quoi là? Tu peux me dire? Je sais pas, on sait jamais. Peut-être qu'il y a un petit zombie, d'accord. On les voit jamais. Il y a sûrement des zombies coincés dans les fauteuils. Ah, c'est malin. T'as un élastique autour de la poitrine. En fou. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est fermé. Malonné. Super. Puis une nouvelle locomotive. Ouais, une nouvelle locomotive, c'est ça, allez. Va tracer un cerveau. Salut. Bon, j'ai ouvert. Tu ne me vois pas. Ah, c'est vrai. Sûr que tu ne me vois pas. Moi, je pense que t'es envoyé, il n'aurait plus besoin de cette carte. Je suis sûr que tu ne me ramènes pas quelque chose, je ne peux même pas le dire. Cassé derrière. Ok, j'y vais.
Essayez qui est là, essayez qui est là. Vous avez pris contre du train, à vous. Bien reçu. Ça n'a aucun sens. Comment le virus a-t-il pu s'échapper? Pourquoi a-t-il contaminé un fait là? Beau et le train qui se trouve jusqu'après 3000... Silence! Peu importe. Nous devons à tout prix empêcher cette affaire de s'ébruiter. Détruisez le train! Immédiatement. Êtes-vous loin du prochain aiguillage? Ah, c'est pas... Eh, Marcel! On l'a bien bouffé, lui! Quel est-ce bien? Qu'est-ce que c'est que c'était ce bruit? Il est passé où l'autre? Ah, mais t'es là! Elle m'a trouvé. Allez, arrête de faire le con! Ma super cassette! Quoi, Gigi? Let's go! Mais je veux pas y aller, il y a des méchants derrière. Ça m'a pas l'air très bien! C'est un jeu vidéo! C'est la fin d'un film! C'est les crédits! Nous filons droit vers un accident ou un déraillement! Il faut arrêter ce train, je pense! Ah oui, tu crois? Bah arrête-le, vas-y, allez! Alors? Les freins. On a pris une petite année sur les freins! Qui va rester en arrière? Rebecca ou Billy? Moi? Ouais, Billy! Bon, rester en arrière, ça veut dire que tu restes devant. Je vais utiliser le panneau de contrôle du frein à l'arrière. Restez ici, actionnez le frein au signal. C'est pas la peine de vous voiler. Bien, Rebecca. Ah. Attends. Attention, hein. Et tu reviens vite. Non. Et pas de fausse manœuvre. On t'appuie sur pause, là, bon moment. Je sais pas où je suis, là. C'est quoi le niveau, hein? Venez dans la rue en fromage. Le fromage Bridel est en réduction de 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros, le fromage Bridel. Tenez, prenez ça. Du fromage Bridel. Tiens, dans la tête. Je sais pas ce que c'est que le fromage Bridel. Moi, je ne serai jamais. J'ai plus de bouche. Super, la gondesse. Il m'arrête encore un. Il paraît qu'il y a du Bridel. Bah, t'aurais pas manger. Putain, il marche encore? Ouais, et alors? Ouais, il marche plus. Les piles sont à plat. Ketan, vous êtes en état d'arrestation, bougez plus! Toi, non! Non! Oh, t'es moche! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Arrête! Fais-moi un bijou! N'approche pas! C'est dégueulasse! Toi. Va-t'en! Faut que je pète pour voir savoir si c'est vraiment toi! Oh, puis après tout, je vais me manger, ça t'apprendra à me grignoter! Il reste 1 minute 47 secondes pour profiter de réduction sur les brisades! Où tu vas? Amène-toi, espèce oui, de lâche! Oui, je vais profiter des réductions brisades! Viens ici! Attends, c'est pas par là! Non, c'est par ici! Le froid, c'est par là! Je sens que les brisades, c'est par là! L'appel du camembert m'appelle, il m'appelle, je me fais appeler par l'appel. Dis tout de suite que je pue ça te camembert. Pose un problème, tu veux que je t'appelle? Appelle? Encore un pas, je tire. Je vais te poser un dilemme. Mais tiens! Ah! Je t'avais prévenu. Ici, Rebecca, j'ai activé le mécanisme de contrôle du frein. À vous! Ouais, c'est comment ça marche? Allez, bonjour! Bon, c'est pas tout, mais... Oh, j'aime bien les montages vidéo. À mon avis, il a dû se planter la première fois. C'est le jour? C'est la nuit? Oh, j'ai rêvé.
J'ai rêvé qu'un énorme train s'était... Oh merde, c'était pas un rêve. Rebecca ! Rebecca ! Je suis là ! Rebecca ! Je suis là ! Rebecca ! Ah, ça va ! Ça va ? À ton avis ? Nous avons réussi à maintenir mes lunettes en état. Ouais, on a réussi à maintenir mes lunettes. Pour trouver un moyen de sortir, ouais, comme tu dis. Arrête de me suivre, s'il te plaît, c'est les mâles qui vont par là. Bon, on peut pas aller par là, pourquoi tu me suis ? Je sais pas, moi je vais par là, il y a les toilettes. C'est tellement tirant. Bon. On t'arrête de me suivre. Ah. Ah. Bah t'es fou, on va pas aller là-dedans. Oh, ça fait du bien. En plus, j'avais pas lavé mes chaussures. Ah ben, t'as plu en plus. Ah, c'est tellement bien. Les yeux, sont tellement mauvais. Vous avez les yeux qui piquent. Ah, j'ai les yeux qui piquent. Pourtant, j'ai des lunettes. Danger. Accès réservé au personnel seulement. Bah, laisse-moi tranquille. Faut que je monte à l'échelle. Elle est où la sortie? Elle est derrière. Moi, je vais par là, hein. C'est le contraire à la sortie. Hop là! Mais qu'est-ce que tu as à me suivre depuis le début? Ah, dégage! C'est moi qui rentre le premier. Ah, mais putain, c'est pas maintenant! Oh! Oh, comme c'est joli! Ah, c'est joli! What a mansion! Le champ de recherche d'Ambrella. Comment il sait? T'es déjà venu? Va pas par là, il y a les chiens. Ils vont te bouffer. Il y a un joli portrait. Ah. Ah, regarde la tête que tu fais. C'est le premier directeur général. Mais c'est quoi le rapport? Mais qui sont ces gens? Elle s'appelle Rebecca Chambers, une débutante. Elle fait partie des stars. Mais l'homme... Je le connais pas, en tout cas, ce n'est pas la maison. Attention, s'il vous plaît. Ici le docteur Marcus. Réfléchissons un moment à la devise de notre entreprise. L'obéissance engendre la discipline. La discipline engendre l'hilarité. L'unité engendre le pouvoir, la vie. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir. Par contre, vous devez savoir autre chose. J'ai répandu vérité dans le manoir. Bien sûr, j'ai également fait plein de trucs. Me venger d'Ambrella. Docteur Marcus! Exact, il y a 10 ans, le docteur Marcus a été assassiné par Ambrella. Albert et William vous êtes emplis de ce meurtre, n'est-ce pas? Moi je te suis, lâche-moi les grappes! Je vais les reconnaître! Oh, regarde, les décors ont su avec nous. C'est par là qu'il faut aller. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu me laisses passer? Les impénés chevaliers interdisent cet accès! Eh, aussi alors ma gueule! Tu passes ou pas? Laisse-moi tranquille! Il faut lui demander gentiment, je suis sûr! Laisse-moi vivre ma vie tranquille! Je suis un solitaire, moi! J'ai pas besoin de pompenettes! Je suis sûr que t'as une femme! C'est un rhumain, creur! C'est un rhumain, creur, et alors? Oh, je m'occupe de toi, tiens. Mais là, c'était bien celui-là. Bah, t'as qu'à te le prendre le plus vite. Bah, je le prends aussi vite que je veux. C'est ça. C'est horrible. Ton odeur m'incommode. Le robinet, oui. Plus une goutte d'eau dans ça. Putain, mais c'est là. C'est pourri ici. On voit pas la porte. Ah ben, cassé. Ah. Bon allez, répare-le. Non, j'ai un costume qui vaut trop de balles. Regarde, ça t'apprendra à faire la con. Là, je vais me venger. Bah oui, tape dedans, ça marchera mieux. Le passage est bloqué par un nuage de vapeur brûlant. Ça brûle. Passe devant, je te couvre. Aïe. Mais il est vraiment bécasse, ton truc. On sait jamais. Allez, passe devant. Ah, encore là.
Oh, il fait tout noir. Attends, va pas trop vite. Chute. Attends, attends, j'entendais son bruit. Attends. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Attends. Hey, je t'ai dit pas faire de bruit. T'es même pas là pour me couvrir. Chute. Des zombies qui arrivent. Où ça? Attends, on va aller. Guy, t'attendez. Moi, je veux pas. Moi, je vais prendre. Tiens, prends ça. Moi, je te prendrais bien carrément couscous. Tu fais quoi, toi? C'est moi qui l'ai Ah, mais c'est trop tard, il m'a bouffé. Oh, tu fais quoi, là, avec ton jouet? Bah, il y avait un moustique. Il essaie de me taper. La rampe s'est effondrée. Apparemment, elle ne sert pas abîmée sous l'effet du temps. Bon, elle sert pas abîmée, on peut l'utiliser, alors. Parce que abîmée, il s'en sert pas, allez. Aïe. Ah, j'ai faim. Oh, c'est joli. Ah, il y a les papiers, là, c'est des documents la très quête, importants. La quête, messieurs, la quête. Règle pour les stagiaires. Mission, centre d'information. Ce centre se donne pour mission de former la nouvelle génération d'employés modèles qui assurera l'avenir dans le... Nous offrons une formation répondant à un critère très terrible. Sans distinction de sexe, de religion ou de race, ce centre sera le meilleur candidat de futur corporation leader. Nous espérons que ce centre vous permettra de développer vos qualités de... leader. Directive du centre ne sent rien. Discipline, obéissance, sécurité. Ces trois mots réservent le principal qui doit suivre les employés d'un vrai incompréhension qui régine la minute. Hein. Et n'oubliez pas ces mots. Consacrez-vous totalement à votre information et faites honneur à vous-même et à la corporation. Tu as marqué directeur en bon incompréhension, directeur du centre de formation. Il n'y avait pas cette voix tout à l'heure, moi aussi. Mesdames et messieurs, je vous prends. Security systems locked. Disk system disk. Un disque système nécessaire pour activer le déverrouillage. Bah, faut une disquette, c'est con. Tu l'as pas? Bah, non. Pourquoi? Va chercher. Je t'attends. Ouais. Va chercher, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas ton chien. Waf, waf. Oh là là. Bonjour, monsieur, la sortie, s'il vous plaît, c'est par où? C'est par là. Merci. Suivez-moi. Tenez. Monsieur, la sortie, c'est par où? Bonjour. Au revoir. Ah, laisse-moi, gros nul. Tiens, t'as vu comme c'est tué? T'as vu comme c'est tué? Ouais, c'est ça. Oh là là, il a pas pu se relever après une technique pareille. Ah, t'as mal? J'ai mal à la hanche. La bougie s'est consumée. Hein? C'est triste à voir. Ouais, c'est surtout con. On n'en avait pas besoin pour l'instant. Bah, lâche-moi, je fais bien ce que je veux. Le briquet a l'air vide, pour le moment il ne sert à rien du tout. Bah, si je le remplis, il me servira à quelque chose. Ah, il m'énerve ce Foucault là. Ah, c'est vide. Il devrait être à TF1. Bon, allez, laisse-moi. Je me casse. J'ai pas envie de te lécher, moi. Lâche-moi. Ok. Ah, j'ai mal. Les livres sont tellement contenus qu'ils servent de technique. Ça doit être important ce qu'il a dit parce que j'ai pas compris. J'ai pris un ruban encreur. T'en fais connexion, je parie. Technique. Tu remarques avec mes lunettes noires que je suis complètement perdu dans la l'environnemental. Bah laisse-moi faire. Attends, c'est par là. Où tu vas? Bah je vois une lumière. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire comme bêtise? Un système de contrôle de train d'ascenseur. Il y a un creux carré dans le panneau. Vous êtes tombé dans... Ouais, il raconte des conneries, je me casse. Bah fais-les à la porte. Ah non, je réserve ma belle voix. Laquelle? La mienne. Oh! Oh, une statue. C'est la princesse Athéna. Attends, je vais non, commander. C'est la déesse de Milo. Non, bah c'est le chevalier de la balance. J'ai écrit son machin. Quand bien la main s'équilibre, nous mon chemin somme en vous. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, alors qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai rêvé, j'étais en train de mener le jeu. Oh, ça peut être qu'un rêve. Cette peinture alignée dans le sang représente deux Allemands. Hein, c'est ce dit. Tu dis qu'il y a deux Allemands dessus. Des Allemands? Je sais. Moi, je me casse. J'ai tellement mal au bide. Ouais, je te suis. Oh, tu et souffres, je bois, tu me laisserais crever, là. Excuse-moi, mais il faut économiser les... Bonjour, monsieur. Quand tu traîneras des pieds, je te ferai. Oh. La porte est verrouillée, mais il n'y a pas de serrure. Il y a une horloge. C'est vraiment nul. Le gars est complètement bourré. Allez, viens, on se casse. Elle est verrouillée, cette porte.
Attends, j'y vais. On passe par le mur. Les toilettes. Bonjour, monsieur. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, il m'a fait mal à la tête. Tiens, mais si tu es nul, tu pouvais pas le faire avant. Ah, je suis bloqué. Ah, t'es content. Hein, il n'y a pas de tête, le monsieur. Attends, regarde ce que j'ai pour toi. La ruche avec les abeilles ou la ruche le pays? Tiens. Tiens, prends ça. T'es nul, putain, pourquoi tu l'as pas explosé? Ah, mon costume à 2000 balles, merde. Tiens, François. Oh, mais c'était fatal dans ta tête. Prochaine fois que tu recommences ça, tu te fais cuire ton consigne. Bon, vas-y en premier, moi j'ai peur. Ouais, c'est ça, après ce que tu viens de me faire, en plus mon costume il est complètement niqué. De toute façon il est moche. Je préférais le premier, là où on voyait tes gros biscottos. Quel biscotte. J'ai pas de biscotte, là. Tiens, c'est trop nul. Tu sais bien que je prends des Chocobéen, avec des savanes brochards, et des petits chinois avec des raisins. Moi je prends une bonne orange bio. Des fois des croissants, des pains au chocolat que j'avais acheté à Champion. Ouais, c'est dégueulasse. Oh, t'en fous, tu pourrais me dire, ça m'éviterait de parler. Non, mais c'est dégueulasse. Moi je prends des trucs naturels, 100% bio. Alors, une orange le matin. Bioman Rose, par où tu vas? Un morceau de chocolat, puis un pétard. Arrête, pareil, non. Bon, alors là, c'est intéressant. Voyons voir. Oh, une manivelle, j'ai envie de la maniver. Une machine pour enrôler la chaîne. Mettre la machine en marche. Oui. Rebecca ne peut pas la déplacer, elle est tellement con. Tiens, il y a quelque chose qui brille. Ça m'attire. Une cage à animal. La cage est trop lourde pour être soulevée par un mec. Elle est tellement con. Quoi, je suis pas assez forte. Bon, là, il y a quoi? Il y a rien d'intéressant. Et pourtant, il y a un objet mystérieux à l'intérieur. Hop. Pour 15 000 euros. Bon, il faut que j'appelle Billy. Cet objet est réponse A. Il est plus court, mais il est plus fort. Une mitraillette. Réponse B, un couteau à une dent. Il n'y a rien. Réponse C, la main à Rebecca. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. C'est pas facile, c'est la réponse D. C'est quoi ça? Ouais, mais ça c'est quoi? Ah, enfin une plante verte. Une plante verte, on va nous shooter avec. Allez, chauffe-moi, on prend un petit peu là. Cette plante rouge pour faire un shoot maximum. La jamaïcaine. Avec la mexicaine. Vous voulez pas savoir, regarder? La marocaine. Eh bien, Billy, j'ai un petit coup de main à te demander. Tu veux un coup de main? Tu le veux où? Allez, dis-moi. File-moi ton shoot, là. J'exaucerai tes vœux avec plaisir. J'ai la main qui tremble. Attends, je vais faire un... Oh, tu la mets là. Je vais remuer le tapis, tu vas voir. Et puis, non, tiens. Ouais, mais t'écrases les mouches bien. Quoi, si tu veux? T'écrases les mouches? Ouais. Aïe, j'ai mal. Aïe, mais attends, moi, j'ai trop mal. Ah, moi, ça va, j'ai pris toute ma dose d'herbe. Bon, qu'est-ce que tu branles? Pousse ton cul. Ah, putain, mais il est lourd. Allez, c'est par ici. Ah là là. Ah. Bon, alors. Attends-moi. Les trucs d'homme qu'il fallait faire, c'est où? Attends, je t'explique. Moi, il y a une manie. Ah, rien à expliquer, je sais déjà. Bah, je pouvais déjà le faire, vu. Mais il voulait pas. Une machine pour enrouler la chaîne, mettre les machines en marche. Allez, c'est parti. Tu peux te pousser, s'il te plaît, c'est un travail d'homme. C'est bon. Alors, si je la dirige par ici, avec un peu de bol, tu fermeras ta gueule. Ouais, t'as qu'à jouir en plus pendant que tu fais le... Et je t'aurai plus jusqu'à mes trousses. C'est bien, alors tu restes ici, tu bouges pas, surtout. Et la photo, tu la prends quand?
Attends, je vais prendre le bouclier. Bon, je peux bouger là? Non, attends. Je vais prendre un truc à prendre. Ok, va plus par là-bas. Puis par ici. T'as pas intérêt de bouger. Là, c'est bien là. Tu bouges pas. Là, bouge, tu bouges pas. Oh, la clé du centre. Ok, salut. Bouge pas, je te dis. Ah, Billy, au secours. Je suis scarabée, le scarabée géant. Je vais te croquer. Billy, je vais te Billy, faire des bébés. Ah, c'est pas à toi de faire des bébés. Je te touche avec... Ah, Billy, laisse ça tranquille. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, tu m'as fait mal. Va-t'en, t'es trop moche. Laisse-moi, c'est la mienne. Au secours, allez, d'accord. Va-t'en, si tu peux faire avec tes petits doigts, moi j'en ai 100. Aïe, il me fait trop mal, je m'en vais. Aïe, il aurait pu me poser en douceur. Ça va? Lâche-moi. Oui, merci, merci. Ah, tu pues de la gueule. C'est quoi ça? Tu fais ça, je te tape dans les couilles. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Je veux jouer au coopératif. Finalement, voudrais-tu, s'il te plaît, ouvrir ta culotte pour que je mette la clé? Attends, va pas trop vite, j'ai mal. Je suis moi, un alors. Handicapé à 80%. J'ai mal et je me plains pas, moi. Mais t'as moins mal que moi? Ouais, non, j'ai plus mal que toi. Ah, la douleur est trop intense. Ah. Bon, occupe-toi du monsieur, moi je vais faire à manger. Mais attends, je peux pas aller le voir, je le connais pas. Attends, tu vas où? Vous avez utilisé la clé du feu, hein? C'est la meilleure part du bœuf. Viens, je vais te faire un petit poulet avec du bœuf. Bah dégage, si ça te dérange. Ouais, tu me déranges. Prendre un objet et ça c'est un briquet. Maintenant, j'aurai l'air moins con avec votre briquet vide, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la belle chandelle. On fait un dîner en amoureuse. Ouais, ça va pas. Tiens! Vous allez vous payer. Tiens. Ah, bah alors payez pas. Tu sais qu'il se fait respecter. Il y en a un autre là-bas. Où ça? Là-bas. Il y en a plus. Non, mais je te connais, il y avait personne. Ah, j'ai mal au pied. Ça doit être la bouffe que tu m'as fait tout à l'heure. Je sais tuer une telle... piètre pâtissière. C'est quoi comme métier? Une piètre pâtissière, ok. Bon, alors il me faut... un cerveau. Ouais, je rigole. Bah, je te fais les bouts de me tire. Oh là là, si on peut plus rigoler. Pour remplacer les vieux. Oh, t'as encore une crotte dans l'oreille. Bon, ça va, je te dérange? Oui, tu me déranges. T'as d'être toujours dans mes chaussures. Pourquoi tu fais des allées venues, là? Oh, c'est la première fois qu'on vient ici. Parle pas trop fort. Ah, d'accord. Les livres ne sont pas classés, hein. C'est un particulier. C'est un globe terrestre magnifique. Pourriez-vous le mettre de côté pour le... Il est tellement vieux qu'on dirait qu'il va tomber. S'il vous plaît. Je vais essayer de faire sinon, tomber. C'est ok. T'en fais d'abord un point de repère plus important. Je comprends. Voilà. Hop, ben, point de repère. Va, là, comme ça, on peut pas se louper, là. Ouais. Oh, v'là des bouquins. C'est tellement beau. Je suis sûr qu'il y a des trucs dans ces poches. Oh, laisse-moi travailler. Oh là là, quelle force, t'es viril. Oh, j'ai quand même mal au coude. C'est un livre du bien. Ouais. Oh, c'est pas intéressant alors. Bon, tu me liras celui-là, moi je te lirai l'autre. Attends, je regarde un petit peu précisément. Ouvrir le livre hein. Oui. Attends, on fait une sauvegarde dans le hall. Oh, quelle technique. J'aime bien moi les grands espaces pour sauver, pour faire une pause.
quel grand espace. On peut faire une pause? Attends, attends. Allez, allez. Attends, attends. Attends, je vais prendre la manivelle, elle va toujours servir. Ah, j'ai compris, t'es une petite amie, t'es impatient de la revoir, hein. Oh, laisse-moi la grappe, je vais dormir après. Là, c'est toujours la même porte avec le même point blanc, là. Ouais, si tu pouvais changer, ça m'aura changé, c'est pas prêt. Ok, alors là, on va... Oh, quel espace! Ok, ok. Alors, attends. Bon, allez, on va dans le haut. Bah voilà, t'es content. Quoi? Il faut deux blocs pour le transporter. Oh. Allez, donne-moi ton bloc. Pousse-toi, je vais le prendre. Ah, lâche-moi, sinon je t'introduis. Mais pousse-toi, je vais le prendre, moi j'ai deux blocs. Oh, j'ai mal aux têtes. Voilà, bah voilà, je vais le prendre, je vais me laisser. Allez, laisse-moi faire. Prends un objet, un lance-roquette. Hey, j'ai un lance-roquette, super. Donner à l'homme le fusil. Non, pour non, la femme, non, c'est non, trop, trop grand. C'est moi qui prends. Allez, écoute-le, vas-y, donne le fusil. Non, c'est moi qui pas pour les femmes. Retourne à la cuisine avec tes fourchettes. Yeah, ouais, ouais. Suis-moi, omelette. C'est quoi ça? Je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. J'ai un lance-roquette. Attends, on va changer. Allez, t'as de la tuition. Allez, va prendre des munitions, banane. T'as de la tuition. Tiens, dans les unités. À gauche. Ok. Ok. Bah, banane, il est passé 7h15. Il se passe quelque chose. Non, il est 8h15. Ouais, bon, ça va, hein. Je... T'as pas dire l'heure? Non. T'as pris ça à l'école? Oh là, je dégage. Je pense que j'ai fait quelque chose. Bon, t'as pas appris à faire les portes à l'école? Allez, prends-la, cette boîte sur la table. Oh, mais moi, j'aime bien les poésies. Bah oui, bien sûr. Hop. Bon, je crois qu'on va arrêter de les faire, hein, sinon... Ouais, mais moi, j'en ai marre de suivre. Un projecteur, un microfilm. Si vous aimez un microfilm, vous pouvez le lire à l'écran. Bah, je vais mettre le microfilm, mais... Oh là là, t'as trouvé ça toute seule? Voilà. Utiliser le projecteur. Voir, insérer, annuler. Ah oh! Il est où le microfilm A? C'est toi qui l'as, hein? Non. Si, si. Non. Si. C'est pas vrai. Je suis sûr que c'est toi. Utiliser le projecteur. Annule. Aïe! Ah, je me souviens maintenant. C'est moi qui l'ai. Dégage, là, allez! Oh. Laisse-moi faire. Je savais que c'est toi qui l'avais. C'est une histoire d'homme, ça. Ouais. Oh, je crois qu'on est déjà vu 15 fois ici. Mais ça doit être riche parce qu'il y a des salles de conférence là. Mesdames et messieurs, veuillez m'écouter. Mets le microfilm, allez. Un ordinateur. Loading. Question système. Country. Terminé système. Démolant. Activé. Please. Employé. Entrée. Le code d'accès. 47. Code d'accès. 47. Ah, ils sont cons, ils donnent les mots de passe en même temps. Alors tu le mets? Il n'y a pas de dispositif d'entrée à proximité. Nom d'un PD. Oh, tu le mets ce code? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me saoule lui? Ah, j'ai mal à la tête! Oh, je me souviens plus de rien. Bien sûr. Ouh, j'étais. Qu'est-ce que c'est? C'est là. Tiens, je me rappelle moi. Tais-toi et bosse. Oh, attends. Oh. Ah, mais les moustiques! Putain, ça y est, je m'en souviens. Il m'a piqué sans que je... Allez, passe blanche. Oh, à moi. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche. Ça marche. Pressez, bande de détritus. J'ai perdu ma pantoufle. Eh, vous avez pas vu ma pantoufle? Bah, tu me laisses faire, hein. Eh, c'est à moi de les tuer, pas à toi. Il réclamait sa pantoufle et tu lui as même pas laissé le temps. C'est toi qui as tiré dessus. Je suis dégueulasse. Vous êtes dégueulasse, mademoiselle. Ah, oh, putain, mais c'est pas vrai, c'est une petite touche, moi je me casse. Bah, c'est psychologique, je suis sûr qu'il n'y en a aucun. Ah, oh, tiens, elle sait qu'il y a la dame. C'est sûr. C'est pas comme ça qu'on non, dit. Non, je fais pas partie. Allez, hop là. Allez, pousse. Allez. Pousse. Prends. C'est quoi ça? Prends. Ah ouais. Allez, laisse-moi faire. C'est pour moi. Vous voulez pas prendre cet objet? Allez, je prends le livre de maths.
Quoi, c'est pas ça? Attendez, il y a autre chose. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Journal du Marcus. Le 4 décembre. Seuls les humains sont des mammifères acceptables pour ces expériences. C'est la condition sine qua non pour obtenir les résultats si valables. C'est un nouveau mot que je viens de dire pour la première fois. Le 15 novembre. Retiens la statue de balance. Maître Saint du Capricorne. Hein. Ah là là. Bon alors, je vais mettre là. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, mais tu fais du patamoulage, Mako. Voilà, et puis grâce à moi, au moins, c'est en harmonie. Ah, t'as du mal hein, à trouver ces mots en français. Hein. Ouais, ouais. Et mes chaussures, c'est du Gucci. Attends, j'ai côté le monotop. Vas-y, je te couvre. Passe devant. Oh. Passe devant, je t'ai dit. Vas-y, tu gars. Passes devant. Faut leur dire. Non, non, c'est les gouttières qui fuient. Bref. Mais vite, vas-y. Aïe, aïe, tiens, prends ça. Bleh. Tiens. Bleh. Aïe. Excuse-moi. Bleh. Aïe. Bleh. Aïe. Qu'est-ce que tu... Oh, c'est ta faute. Hey, c'est vraiment con, hein. Regarde-moi cette dire araignée. Que une araignée. Je t'avais dit pourtant. Ouais, c'est une sensation étrange. Une bonne odeur. Hein? Je sais pas où il est, mais il est en train de nous bouffer, hein. C'est curieux, curieux. Ouais, c'est dans ta tête, hein. Bon, allez. Bon, allez, attends, je fouille. Il est peut-être caché par là. Ah, tiens, il y a un crochet de boucher. Chute. Chute. Oh, regarde. C'est un trou. Oh, et si je t'attachais les mains. Eh, hey, un passage secret pour aller dans ta chambre. Non, c'est un passage secret pour aller sur mon site. Hein? Un grand camp d'une aération, Rebecca pour un sang de tatane. Mais vous le verrez dans le prochain épisode avec Billy. L'acier, c'est mon dur à montrer. Ah, où suis-je? Eh, hey, je peux rentrer moi aussi. Non, non, reste là-bas. Je l'ai vu, je posais des trucs avec... Oh lolo, que l'horreur! Qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est une salle à manger! Et alors? Et il n'y a même pas à manger! C'est pas une salle à manger alors? Ah si, il y a des canards! Eh mais. Ah d'accord! Kochia! Perdez votre temps! Je suis déjà approprié cet endroit! Ce qui signifie que vous trouvez sur ma priorité. Je hais les intrus. C'est insensé. Tu crois que c'est vraiment l'identité de ce jeune homme fou? Je crois pas. Mais si, c'est vrai, c'est la fin d'Ombrella. Si le complot de nos arrêts était victime, la carrière de M. Vesperseur est terminée. C'est chaud ici. Sans parler d'un autre. Ouais. L'heure a enfin sonné. Et que vas-tu faire? Je vais tout simplement dire au revoir, Ombrella. L'embiologie de biodiversité est presque prête. Il ne reste plus qu'à recueillir les données du combat. Ah, mais tu plaisantes, je refuse d'abandonner mon travail. Eh ben moi, je refuse de continuer. J'ai fini mes recherches hier. Et un peu de temps et je pouvais mettre le virus G dans ta gueule. Moi, je préfère le virus T. Fais comme bon te semble. Je m'en tiendrai à mon plan initial, attirer l'équipe des stars dans le manoir. Leurs compétences en combat en font des combats idéaux. En attendant, il faut s'occuper de ce fou. Ouais. Alors écoute-moi très bien, attentivement. Ouais. Je crois qu'il y a un système d'autodestruction au sous-sol du centre. Oui. Tu comprends? Ouais. Je vais tenter de le trouver et de l'actionner afin de réduire cet endroit en cendres et ta tête en même temps. Si tu comprends. Je n'arrive pas. Attendez. Attendez quoi? Mais qu'est-ce que t'as en danger? On est dans la soirée, hein! Hé, Jessica! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, Billy!
Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la fin, je peux enfin rentrer chez moi. Ah, enfin, depuis le temps que j'avais la dalle. Ah, 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 tu verras, c'est qui, toi? Salut. Au secours! Hey, Rebecca! Ah! Tenez bon, je vais vous hisser! Ah, plus vite! Ah! Oh! J'ai jamais tiré quelque chose de l'aussi lourd! Merci quand même, fils de pute! Oh, je vous en prie! Oh, on avait décidé de faire équipe! Ah bon? Hein? T'es sûr? Eh? C'est il serait Rebecca. Rebecca, c'est Enrico. A tout trouvé, Cohen. A toi. Cohen? Rebecca, réponds-moi. Non, pas de Cohen, mais j'ai trouvé Billy. Mais il n'est pas encore trouvé. Mais poursuive mes recherches, à toi. C'est pas vrai. Rebecca. C'est la première mission que je désobéis déjà aux hommes. Je suis forte. Hein. Ma carrière commence mal. De toute façon, c'est ta faute, alors pas assez de temps pour me soucier. C'est normal. Billy, il faut que je sache. Il faut que je sache la vérité. Tant pas moi, avez-vous tué 23 personnes? Je veux pas vous juger. Je veux seulement savoir si c'est la vérité. Tu es encore plus moche de face. Il y avait environ un an. Je peux regarder à côté pendant que je te dis l'histoire. Notre unité avait été écrasée pour endiguer une guerre civile. Notre mission consistait à attaquer les moustiques dans les champs avec les jungles. Seuls 4 d'entre nous ont survécu. Pour finalement arriver au paradis terrestre avec des bananes et des nanas et oh là, et on se raconte pas ce qu'on a fait, hein. Mais il n'y avait pas de repère de guérillons. Comment ça? Les imbéciles qui avaient organisé l'opération nous avaient dit que c'était un piège et ils nous ont filé des bidons en info. Alors ils étaient vides et on a reçu l'ordre d'attaquer le village. Lalalala. Débarrassez-vous d'eux! Tuez-les tous! La vraie, c'est le feu! La ferme! Exécution! On a dit deux! Ne le faites pas ça! Et voilà. Vous avez exécuté les innocents? Non, n'y pensons plus. C'est aucune espèce d'importance tout ça. Et on avait promis qu'on rentrerait. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais tout ceci a de l'importance. Les supérieurs pensent que vous avez tué ces policiers. Mais en fait, militaires dans le fourgon, mais pas moi. C'est les chiens zombies, non? Quand ils ont attaqué le fourgon, hein? Hein? Si on vous échappe, mais tu m'écoutes, n'est-ce pas? Tu vois pas les petits nègres, je les comprends pas. J'ai deux options, soit je me présente au Miss Univers, soit je reste en cavale aussi longtemps que possible, c'est tout. Voilà un cadeau pour toi, c'est de ma part. Merci. Pour toi. Tu fais quoi maintenant? Attends, je vais te poser là-bas, tu iras le chercher toi-même. Ah, c'est là que je suis tombé, ça fait yeah. Partant des signes. Attends, il y a une machine à écrire. Oh, et putain, j'ai une... J'ai des super grolles. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est par là. Il y a une machine à écrire, enregistrer les données, oui ou non? Allez, slot A. C'est bon, on peut y aller? Où ça? À toi, vas-y. Merci, j'y vais. Ah non, c'est moi qui vais en premier.
Je voudrais savoir ce que tu veux. À toi, vas-y. Bon, oh, c'est bon, là. Ok, j'y vais. Regarde. Six âmes emprisonnées par les ravissements. Raviver la flamme de la vie dans l'esprit des faibles. Tu sais pas lire? Non. T'es un culte? Je suis un con, moi, si tu veux. tu peux lire à ma place? Ah, je l'ai fait. Moi, je vais par là. Ça a l'air plus... Bon, il faut ravivre. Il faut ravimer la flamme dans les six faibles. Bah, la ravimer, bah, banal. Debout de toute ma hauteur. Charmant, fièrement mes cornes. Avancez au moins que le visage il a, tu veux. Changer de vêtements. Je change de vêtements. Allez, par ici, regarde. C'est tellement beau. Ah, moi je dis, il faut que tu le fasses sur le... Je fasse quoi sur... Tu mets les briquets. Tu allumes une torche. Sur le loup. Pas ton truc dans mon cul. Ma vivacité d'esprit, au fond de moi, le maître de l'univers. Utiliser le briquet. C'est même pas vrai, c'est même pas lui le maître de l'univers. C'est qui? C'est Jace. J'ai jamais retrouvé son père. J'ai jamais aimé cette série. Oula! Ah! Regarde! Ça brûle! Oh, je peux dégager, s'il te plaît! Putain, t'es toujours dans mes pattes, hein! Oh, c'est quoi? Ouais, mon règne est total! Aucune créature ne peut m'échapper! Pousse! Je danse dans les airs et je capture mes proies! Un lézard! Non, un python royal! Oh! Bon, allez, on rentre. Ah, c'est ouvert. Vu qu'il n'y a rien qui s'est passé, on rentre. Hein? Oh, c'est quoi ça? Quand t'avais pas vu qu'il y avait une entrée, c'est là. C'est nul. C'est quoi ça? Oh. Laisse-moi faire, c'est à moi. Je l'ai perdu. Vous voulez prendre la plaque unitaire? C'est ma plaque inutile. Et aujourd'hui encore, il y avait ces horribles grognements derrière la tête. Derrière la porte, c'est pas lire? Lors qu'il dort, je ne m'en approcherai pas, même si le directeur m'en est du mal, je ne peux pas finir comme j'ai mis. Pauvre gars, je gratte le tout le temps. Viens, je vais le voir, ça me démange. Dois-je partir? Je peux Denis, je pars. Ah, je suis parti. Fin? Au secours. Maman, je peux écrire. Quitte ton soutien. Oh merde. Tiens! Oh, je sais pas viser! Je sais pas viser! Oh, je sais! Secours! Je brûle, je crame! Ah, j'ai mal au ventre! Elle m'a vomi dessus! Ah, je peux pas être vomi encore! Tiens, prends ça! Attends, tiens! Tiens, je tiens en joue! Tu sais pas viser! Tiens, prends ça! Pourquoi c'est moi qui me prends tout dans la gueule? Tu n'as pas vu, mais j'ai esquivé comme à la Matrix, moi. Elle m'a éternué dans la tête. T'es empoisonné, c'est génial. Oh, merde. Oh, je vais vomir. Ah, je me sens mal. Je vais mourir. Le jeu sera fini. Tu vas le finir toute seule. Bah, tant mieux. Tire de toi. Non. J'ai quoi, ça? On dirait l'entrée de Fort Boyard. Ouais, tu peux par là, c'est dégoûtant. Viens, on va par là. Oh. On est emprisonné. Oh, on dirait une boîte de grenades qui fluorescent dans la nuit. Prends-les. Non, je les prends pas, c'est trop lourd pour moi. Tu peux pas les prendre, toi? Quoi? Allez, prends. Oh, bon, je te laisse ici. Bonjour, madame. Qui suis-je? Bon, je vais laisser se débrouiller toute seule. Allez, je t'attends. Oh, je vais le manger. Vas-y. Tiens, prends ça. Ah, va-t'en. Par ce surhumaine. Oh là là, t'as de la chance que je sois malade. Ah là là. Oh. T'as peur de moi, hein? Oh, il est lent, j'ai de la chance. Tiens. Ah ben tiens. Tu te la rends plus supportable. C'est quand les combats terminés. J'ai gagné. Ni plus, ni moins. J'ai gagné. Mais c'est quoi ça? Bah, je sais pas, une valise, ouvre-la. Prends un objet attaché 15.
Oh, j'ai pas de case. Je peux pas l'attacher. Oh, je te laisse. Utilisez l'objet, voici. Je vais l'examiner. Attends, je vais l'ouvrir. Donc si on est le canard. Allez, on tourne. Ah, moi je dirais le 6. Laisse tomber, on va mettre le 2. Alors, 1, 2, 2, 3. Non, touche pas. C'était le 2, moi je veux. Le 8. Non, le 4. Le 4. Laisse le 4. Là, c'est heureuse, maintenant elle s'ouvre. Ah. Oh ouais. Ah, une plante bleue. La pile, j'en ai besoin. Non, laisse-moi, c'est pour moi. Il faut économiser. Oh. Mais pas en cet objet, tralala. Allez, comment ça se fait qu'il est avec lui, elle? Utilisez l'objet tout de suite, alors. Ah, c'est trop nul, hein. Vas-y, s'il te plaît. Moi, je le tiens. Moi, je prends lui. Tu veux celui-là? Fais-moi un câlin. Aide-moi, putain. C'est pas vrai. Putain, tu peux pas m'aider. Il y a une machine à écrire. Mais qu'est-ce que tu fous? Je viens me télétransporter. C'est téléporté, vraiment. Oh là là, quelle force j'ai. Ah non, j'ai mal au dos. Oh, attends, on va pas trop vite. Sprint premier secours, la clé des centres, utilise un objet, pistolet, s'équiper, pistolet, fusil de chasse. Tu vois, c'est tout simple. Ah, laisse-moi tranquille. Suis-moi, on va faire un petit tour là-dedans. Je veux rentrer à la maison. Pas des chaussures, c'est des rollers. Enlève ton short, tu fais du bruit aussi. Et enlève ta culotte. À la fin, si t'es sage. Ouais. Je te tire une balle, puis je vois tout, hein. Bon, allez. Je vais le tuer. Attends, je vais me servir d'abord. Munition, enfant. Pistolet, hein, il te rend bien. Aïe. Mes munitions. Attends, je m'entraîne tout seul. Je lui ai écrasé la tête, t'as vu ça? Tu m'auras failli. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, je l'ai eu. Ah, c'est une... Oh, mais bah, y'a rien du tout ici. Mais c'est le frère de... de Monk Khan. Hein? C'est Jerry. Quoi? Qui est? Hein? Jerry Khan. Désolé. Hein? C'est par où, les blagues? Suis-moi, je vais t'apprendre, tu vois. Ah, c'est par là. Allez. Ici, vite. Passe devant. Attends, pousse-toi. Ouais, vas-y, vise. Tu me passes à travers. Aïe, j'ai mal. Je vais prendre mes menottes pour t'assasser au lit, tu vas voir. Ah, incapable. Suis-moi, moi je sais où il faut aller. C'est tout, une intuition féminine. Tu vas recevoir de l'argent, tu te grattes la main. Ah, tiens. Ça prouve que les programmeurs se sont pas cassés le cul, ils ont fait exactement la même chose partout. Pourquoi tu boites? Parce que j'ai mal, puis toi, pourquoi tu c'est boites? C'est bizarre, tu roules du cul maintenant que tu marches. Et toi? C'est fermé, la porte est tournée d'un symbole magique. C'est toi qui as la clé, refais-le. Ça va, je vais t'ouvrir ta porte. Mais utilise la clé du coffre, on n'avait plus besoin de cette clé, là, je te dis. Ouais, c'est parti. Ouais, on a ouvert la porte bleue. Oh, ça fait mal maintenant. Bon, allez, il faut couper l'interrupteur. Ça va, on va aller se coucher alors. Ah, là. Ah, il y a monsieur. Je mets du papier inutile là. Pourquoi il t'a frappé, monsieur? Je sais même pas. Bon, ça avance. On va prendre une petite bouteille. Ah, il pleut dehors. Ah, on va arroser cette fête. J'ai mal au dos. J'ai mal au coude. Bah moi aussi, puis je me plains pas. Vas-y, fais-nous un jeu de piano, là, vas-y. Le piano est comme de poussière, mais on peut encore y jouer. non, pas elle. Si, allez. Tu vas voir comme je suis forte. Bon, attends. Alors... Alors ça, c'est le sol, mi... Ah, par
Arrête, tu me déconcentres. Ah, mais c'est horrible. Tu me déconcentres. Ah, vite. Mes oreilles. Oh, je vais faire une indigestion auditive. Ah, chiotte. Oh. Voilà, t'es content, tu... Je vais vomir tes notes. Ah, si tu sais mieux faire, allez, vas-y. Oh, ça va... Oh, allez, dégage. Allez, jouer du piano. Ouais, ouais, vas-y. Alors. Ah, ça craque pas. Et hop là. La 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 la. Je te sers un verre. La la. Ouais, c'est ça. La 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 la. Ah, oh, merde, c'est comment? Qu'est-ce que t'as fait encore? Ouais, je pourrais me dire merci, hein. Puis quoi encore? Je m'en fous. Bien, bien, bien. Moi, alors... tu fais quoi? Vas-y, bouge tes fesses. Eh, il y a plein de bouteilles là. Je m'en fous. Il y a du Beaujolais. Eh, hey, mais prends le moche. C'est pas du vin le Beaujolais. Faut pas en prendre. Attends, moi je vais prendre ça. Ouais. J'ai eu peur, hein. Allez, je me cache. Bah, il y a le truc, puis il y a l'orage en plus, ça fait vrai que c'est boule. Du spray, passe-le moi, j'en ai trop besoin. Non, c'est pour ma bouche. Pousse-toi. Ah oh. Dégage. Non, c'est toi qui dégage. Pousse-toi, ouais, je d'accord. T'ai dit. C'est moi qui prends. Oh, dégage. Ça va. C'est le mec, putain, il est fouetté. Oh, c'est pas le premier secours. Ah oui. Ah putain, je suis ok. Voilà, fais les... Bon, ah, si je te gêne, tu me le dis. Ouais, tu me gênes, putain. Toujours dans mes pattes, c'est bien. Ah, en plus, c'est lourd. Qu'est-ce que j'ai de gros porc qui est dedans? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ça t'emmerde pas! Mais regarde! J'allais pas. On est sur une île! Faut te regarder cette connerie! Je peux pas aller plus loin! Ouais, tu peux pas m'aider? Bah, tu t'es un homme, hein, allez! Je vais te la... Ouais, ben bah, ça t'arrange bien femme. Maintenant que je sois un homme! Reste ici, hein, reste bien là, je vais essayer de te le foutre sur le pied! Et regarde, j'ai vu une luciole! Mais j'en ai rien à branler, ta luciole! Aide-moi à l'ouvrir. Ah, je... Je suis le maître de l'univers. Eh, venez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose ici. C'est vraiment trop sombre ici. Oh, regarde. Sans de télé, on voit très bien sur la mienne. Regarde. Ah, il n'y a pas assez de couleurs. Il y a trop de couleurs, c'est rouge. On dirait que la maison est en flamme. Il faut deux mains pour tirer le grille-pain. Eh, tu peux prendre le grille-pain? Oh, oui. Oh, regarde! Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? What's up, Nick? La porte s'est ouverte. Ah, c'est pas tes pieds qui font ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Regarde! Je me suis transformé en super Rebecca! Je me suis transformé en super costard de la planète! Excuse-moi, faut que j'aille à un rendez-vous important! Attends-moi, putain! Allez, je me casse! Ah, mais zut! Attends-moi! Regarde! Attends-moi, je t'ai dit! Ce sont des marches d'escalier! Enfin, un peu d'air pur! Ah! Hé, hey, Marcel, je vole! Hé! Hey, Marcel, c'est cool! Ah, il y a des chauves-souris, j'ai peur! Parce que... Attends, elles sont pas chauves! Hé, hey, Marcel! Regarde! C'est pas visé, il y en a encore un! T'es nul! Ah merde, t'es nul! Bon, ça va, dégage! Mais attends! Dis-moi tout de suite, c'est moi qui tienne! Ouais, tu me... Ouais. Allez, 100 points, mais il est où l'autre? Je sais pas, tu l'as peut-être eu sans le savoir. Ouais, tu crois? Putain, il y a de l'orage ici. Je serais aussi fort que ça? Non, je peux le rigoler. Fais pas de bruit. Quoi? C'est par ici. Putain, c'est le grand manoir. Cette tonne. C'est là qu'habite le grand... Regarde, il y a une fleur qui bouge. Mais non, c'est un cadavre.
Ma squelette. C'est fermé. Il y a pas de serrure en plus. Comment est-ce que c'est fermé et qu'il n'y a pas de serrure? Comment vous allez faire pour rentrer alors qu'il n'y a pas de serrure? Faut passer par l'autre côté. Allez, viens. Ouais, on va passer par la porte secours. Allez, on peut faire le tour. Ah ben, on peut pas. Ah, ah mais je veux voir. Ah, reste bien là-dessus, hein. Moi je vais rentrer. Oh mon Roméo, je suis ta Juliette. Ouais, une église. Je vais me marier. Ah, je suis même en tenue de mariée là. Tout juste bonne à être. Ah, c'est l'Assomption là. C'est la Vierge Marie qui s'est fait exploser. Il y a un hôtel. Mais il n'y a plus de chambre. Malgré son art d'hymne, il y a quelque chose de lugubre. Ouais, c'est vachement lugubre. Pourtant, c'est l'endroit le plus éclairé. Oh, une porte. Putain, je suis entré. Tap, tap. Hein? Hein? C'est quoi? Mais c'est du congé. Pas cool. Oh mon Romain, quoi? Je crois qu'il viendra jamais. Oh, c'est mon arme. Seule mon arme, moi comme amour. Allez, je m'en vais dans l'hôtel de l'amour. Allez! Allez, j'ouvre la porte! Qui s'ouvre, on se demande comment? Ah voilà, j'utilise le grille-pain et je monte. Toi, tu restes en bas, tu me sers à rien. Ah là là! Ah. Oh, Roberta! Ah putain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, ça, toi! Ah ouais? Tant mieux! C'est vrai qu'ils peuvent pas passer d'une femme, heureusement que je suis pas là. Une échelle, qu'est-ce que je fais? Hé, hey, Roberta! Je sens. Oh non! C'est quoi, moi? Oh, c'est tellement beau ici, je resterai des heures. Ouais, mais attends pas trop longtemps, monsieur. Descends dans l'échelle. Bon, ok, j'y vais. Et laissez votre pauvre ami tout seul. Ouais. Ah oui, sans hésiter, là. Ah, putain. Bon, alors, on a une vue d'ensemble sur le lac de la falaise. Oh, c'est sûr, je m'emmerde. Je veux rentrer. On dirait... Oh là là. Ouais, c'est pas de toi là, toi. Ah, mais tu cherches une porte. Tiens, il y en a une là. Ça, c'est vachement lourd, hein. C'est génial. Ah, c'est arrivé. Ah, c'est quoi? Oh, on dirait un escalier. Non. Il y a des escaliers qui montent, mais ils sont... Immontables, vous ne pouvez pas les emprunter. Mais je vais les voler alors. Vous pouvez même les louer. Bon allez, trêve de plaisanterie, idiote. Je me casse. Non mais franchement, il aurait pu m'attendre avant de m'entendre l'ascenseur. Bon bah si c'est comme ça, bah je reste là. Oh puis non, j'y vais. Je vais l'engueuler moi-même. Bon, tu tentes, bah tu tournes. Ah, il faut qu'il redescende l'ascenseur, ok. Et moi je suis où? Je vais par là. Chouette. Je te suis. Chouette. Ah, attends, je réfléchis là. Oh la merde. Il y a des choses qui me chiffonnent dans ce manoir. Ah ouais? Ça change. Tétinger syndrome des livres de bibliologie. Attends. Hé, il y a un cadavre. C'est quoi? Il y a même une lampe. Une cruche, c'est mou. Elle est remplie d'eau. Dégage. S'il te plaît. Attends, je prends mon truc.
chanter. C'est pas moi, c'est les zombies. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est enregistré, on sait tout à fait. Ah, zut, alors. Bonjour, monsieur. C'était quoi cette morbliante paix? Le haut de la statue a été réduit en pièces. Veuillez les prendre et les changer contre des billets. Et je lasse mon lance-croquette, et je laisse, et je garde. Et puis, oulala. C'est trop pour sauter, espèce de cruche. C'est clair, si je saute, je me suicide, moi. Tu peux essayer comme ça. On dirait une sorte de substance chimico-onémique. La mettre dans votre mélangeur. La substance verte est déjà dans le mélangeur. Ajouter la substance chimique. La substance rouge et la substance verte ont été mélangées pour former du décapant. Attends, je vais décaper. Vous pouvez maintenant vous démaquiller, merci. Capsule semble compter un spécimen de sanctu impossible d'un tel couvercle. Il doit être scellé par une substance spéciale que seul les décapants pourraient enlever. Ouais, je vais mettre les décapants. Enfin, c'est ça, moi. C'est juste pour moi. On dirait un dispositif servant à évacuer le gaz de la pièce. D'un côté, il est vide pour l'instant, mais il sera pas tout à l'heure. Alors, on se retrouve après la pub. Il faudrait que je remplisse avec quelque chose que je trouverai dans ce laboratoire, certainement. Voyons voir. Qui est-ce? Il y a quelque chose par terre. Oh, ça se lève, ça bouge. Bonjour. Excusez-moi, c'était un réflexe. Bonjour madame, yeah. Je n'ai plus de tête, par terre. Les zombies n'ont plus de tête. L'étagère est couverte de têtes de divers produits chimiques. On dirait qu'ils ont une utilisation médicale. J'y penserai, je demanderai à Billy de le faire. Il y a une espèce de chose mystérieuse sur la table. Alors, d'opération, bien sûr. C'est réponse à Obi-Wan Kenobi. Tiens! Oh. Pas de caresse! Lâche-moi! Alors, hier, j'ai laissé mon. Je vais lui reprendre de la merde, ça fait plus de temps. Hein. J'ai fait mon lacet, c'est bon. Ah, attends, il y a mon autre lacet. Une première fois, c'est cool. Où vais-je? C'est quoi cet aquarium? C'est... Pourquoi je fais rien là? C'est quoi? Je suis allé faire pipi en fait. Et après, j'attendrai de revenir. Je me souviens maintenant. La bobine d'entrée. Et moi, je sais où elle est, la bobine de sortie. Il y a autre chose, attention. Il y a quelque chose d'écrit en os dans la photo. James, en souvenir de ta. Ta diplôme. 1939. Oh, la photo est rayée. Et on a du mal comprendre. Alors, d'après son âge, ce type pourrait être le fils de Marcus ou son petit-fils. Monsieur, où est la bobine de sortie? J'aime bien parce qu'il a fallu une scène cinématique pour que je sorte ces trois phrases. Produit d'une intelligence remarquable, vous l'aurez souligné. Qu'est-ce que c'est? Monsieur! Monsieur, je ne vous ferai aucun mal! Madame? Monsieur, je sais pas.
C'est quoi? Vous ne pouvez pas emmener le danger. Tu vois le geste que je te fais, là? Salope. Hé, c'est quoi ça? C'est ce qui se passe? Je me casse. C'est quoi? C'est quoi? C'est... J'ai la berlue, moi. Faut y arrêter de boire du Fanta. Il y a quelque chose qui brille derrière moi. Vous voulez le prendre? Non, non, je prends rien. Allez! J'ai trop peur. Faut pas chier, putain. J'ai peur, je me casse. Combien y a-t-il de tablettes de chocolat sur cette porte? Réponse 1. 2. Réponse mais. C'est quoi? Alors, je vais mettre l'éprouvette en forme de testicule. Hein, c'est quoi ça? Oh, ben c'est bien mangé. Oh, c'est quoi qui brille? Il me sent mal. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoyé quelque chose? Chouette, j'ai du courrier, j'ai un email. Oula. Et putain, ça me fait penser qu'il y a sur mon site ma BD, je l'ai terminée. Faudrait que je pense à faire un peu de la pub. Bon, allez sur www.fanapachage.com, hein. Non, non, mais c'est important, hein, quoi. Ça fait 3 ans que je dessine, hein, c'est hein. Bon. Ah, je vais mettre mon agence télévision dans la... On dirait une sorte de substance chimique, la mettre dans le mélangeur. La substance verte est déjà dans le mélangeur. Ajoutez la substance chimique, la substance rouge et la substance chimique de mélanger de façon décapante. On dirait une sorte de mélangeur. L'activer avec le décapant. Ajoutez la substance chimique, qui est décapante. Faut y formuler une autre substance. On dirait une sorte de substance chimique, la mettre dans le mélangeur. Oui. La substance verte est dans le mélangeur, substance chimique dans le mélangeur. Réponse Marcel. Un objet. Marcel. Les êtres vivants. Ah, c'est bien. Bonjour monsieur. Merde, on va se faire. Mais non, pas moi, tu cours, je sais. Un bijou. Tiens, hop, aïe, la bite aussi. Le rapport sur les APO. Les recherches démontrent que lorsque l'ennemi sur le virus précurseur, un organisme vivant, les violentes mutations cellulaires provoquent une défaillance du système. De plus, personne n'a trouvé de méthode satisfaisante, car il paraît qu'il est clair qu'une meilleure coordination au niveau cellulaire est essentielle pour assurer une bonne partie de pétanque. J'ai mené un certain nombre d'apéritifs afin de trouver des insectes et des animaux anciens sont génétiquement stables depuis des millénaires. Est-ce pour cela que l'administration de la cannabière précurseur provoque une croissance explosive et un tel regain d'agressivité? On les imagine difficilement en tant qu'arme bio-organique amphibien. L'inoculation du virus chez la grenouille mâle provoque un allongement du sexe et une croissance anormale de la vessie et de la langue. Cependant, la capacité sexuelle n'évolue pas. Par ailleurs, le sujet est pris d'un appétit dévorant qui le pousse à s'attaquer à son sexe. Mammifère. Le virus précurseur est associé à l'ADN cellulaire du singe. La fertilité s'est accrue, les jeunes sont copules, ainsi que les capacités mentales supérieures. Les sujets sont atteints de cécité, mais leur capacité auditive se développe pour contrebalancer un inconvénient. Envoyez quelque chose à la poste, bibliothèque. C'est 3 francs le timbre, espèce de gourde. Ok, tu demanderas Billy. Hein, tu crois que les tarifs c'est pour qui? C'est pour le pape? Je vois en recommandé. Enfin, c'est l'autre qui paye, voilà. Pas le seigneur, là, il faut pas prendre non plus. Non mais franchement.
Hein? Eh, vous jurez à ça. On a l'air si inquiétant, ça fait 6 francs, 6 euros. Ouais, bah, mon cul, ouais, je paye rien, moi. Je prends. Vous voulez prendre les canards? Eh, allez, je paye rien. Et 12 euros. Merci, au revoir. Très enculé. Eh ouais, ça c'est parfait. Je vais te dénoncer, moi. Allez, je suis parti. Par où je vais? Ah, je vais aller par là. Oh, une autre porte, super. Oh, une autre porte, encore. Non, c'est quoi? On dirait une sorte de substance chimique. Ils font un récipient pour m'emporter. Et vous n'avez pas de récipient? Ouais, bon, c'est bon. Mais Rebecca, elle en a. Ah, vous n'en avez pas. Je pourrais peut-être utiliser ceci. Et si Billy, j'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser. C'est un hyperphérique. Ah bon, super. On va pouvoir s'en sortir. Ouais, retrouvons-nous dès que l'oreille aura atteint sa bouche. Tu vois? Aïe, il m'a fait mal. What is this? Oh, un bisou! Oh, gros bisou! Oh, viens par ici! Oh, viens par... Oh, yeah! Donnez le spray à la... Où suis-je? Ah bah je suis à l'intérieur du tramway. Bonjour monsieur, vous dérangez pas? Eh, qu'est-ce que vous faites? Je te prends ton magnum. Tu me rends mon magnum tout de suite. Merci. Tu me rends mon magnum tout de suite. Ouais, tu vas m'en empêcher peut-être. Rends-moi mon magnum. Allez, pas toi comme un homme. Rends-moi mon magnum. Rends-moi mon magnum. Ouais, ouais, c'est ça monsieur. Rends-moi mon magnum, je suis pour une glace. Je t'offrirai un sorbet à la place. Fais-moi une pipe. Démarrer, c'est les fériques. Munitions, ça m'intéresse pas. Un panneau de contrôle. Il y a une serrure. Ouais, et alors ça sera assez intelligent pour mettre une clé. Ouf. Oh là là, je suis sûr qu'il comprend rien. Prendre un objet prêt pour les débiles mentaux. Putain, mais c'est qu'il y a de l'orage ici. J'espère que ça va pas me tomber dessus, la flotte. Tiens! Ah, je savais quelque chose. Et tiens! Je les ai eus, c'est bon. Vas-y, je suis en prisonnière. Ah non.
Eh mais Sur la porte est écrit « Salle de sécurité, ne pas entrer. Inutile de fouiller cet endroit. » Pourquoi ? Et puis là, je peux fouiller au moins ? Inutile de fouiller cet endroit, je t'ai dit. Mais pourquoi ? Y'a rien, t'as déjà vu le jeu, c'est ça. Ah, un ascenseur. Je vais pouvoir... Ah, quelqu'un arrive. Vite, rejoins-nous. Ne tire pas, Enrico. Tu vois, tu es vivant. Ça va, Rebecca. Tu n'as personne. Il n'y a personne. Et on est où arrivé. Tu ne les as pas vus. Je ne l'ai pas vu. Quel dommage. Si on continue tout droit, on devrait atterrir à un vieux manoir ou un vrai de recherche. Allons-y. Non, attends. Il faut que je retrouve Billy. Billy Cohen. Tu veux dire celui de la télé. Oui, mais nous avons été séparés. Inutile de se soucier de lui, il n'ira pas bien loin, ce pépito. Non, capitaine, je veux le retrouver, ici, tout de suite. Je le veux, ne t'inquiète pas, je te réjouis. Ok, Rebecca, tu réjouis. Bon, d'accord, mais fais attention. Salut. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai plus revu de ma vie. Mais j'en ai besoin, c'est la clé en plus. Ah, ça va mieux. Je prends le premier secours pour les débiles maintenant. Bon, je peux le prendre maintenant, je suppose. Prendre un objet clé pour les débiles. Vous avez déjà exploré cette zone. Ah bon ? C'est un peu con. J'ai déjà exploré, vraiment ? Ça m'étonnerait ça, je m'en rappelle pas du tout avoir exploré ce truc. Ouais, cool. Allez, sésame, ouvre-toi. Hein? Hein, c'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Eh mais c'est monstrueux ce truc! Au secours! Mais pourquoi il m'en veut? Je lui ai rien fait! Pige! Théo! Tiens, fausse créature, pousse-toi! Tu m'as fait mal! Tiens! Et puis tiens! Je vais te faire tourner la gueule! Tu vas voir, c'est très dur à ça d'ailleurs, oui! Tiens dans le cul! Tiens dans les jambes! Mes pieds! Tiens dans la tête! J'ai rien sorti! Tiens dans le couille! Ça gratte tiens dans les couilles! Tiens! J'ai loupé! Mais c'est quoi ce problème? Mon cul! Et mes ballons, j'ai mal dans le cul! Tiens! J'ai peur, j'ai mal au cul! Non, il n'est pas arrivé, comme par hasard. Tiens. Et puis tiens dans le cul. Tiens, mais tout ça dans le cul, il est toujours vivant. La douleur est trop dure. Tiens, je t'achève. Tiens, et puis tiens ici. Un ascenseur, vite, je me casse. Il est trop monstrueux, ce monstre. Sélectionnez un niveau. Un niveau 1 pour les cons, niveau 2 pour les plus intelligents, niveau 4 pour les intelligents. Ah bah je vais à niveau 4, alors. Erreur système. Fini de jouer. Vous et vos amis ne m'amusez plus du tout. Bon débarras.
bien, plus rien ne m'empêchera de me venger. De me venger de Umbrella. Cette porte n'a pas de panier. Comment tu veux ouvrir? Il y a un creux carré sur la porte. Tu veux mettre un truc con? Aïe! Viens mettre un truc con. Ça ouvrira la porte. Tiens, prends ça. Il y a une folleur. Il y a une folleur. Et où est la porte? Fais une partie de billard ensemble. Excuse-moi, le réflexe. Ah bah zut, j'aurais voulu faire une... Ça se trouve, c'était pas un zombie. Les billes sont en place comme si quelqu'un s'apprêtait à jouer. Mais vous l'avez tué! Il peut plus jouer! Ah! Léon! Chris! Non, c'est Billy! Billy! Billy, avale ça, c'est un antidote. La sécurité, ça va? Ce sont des barrières. Ouais, elles sont belles. Qu'est-ce qu'il y a plus prouvé que ça? Ils ont du service d'un cobalt dans les expériences du Marcus. Je pense qu'il a fait pas mal d'expériences avec le virus, c'est son preuve. Billy. Il contrôle ainsi la rotation de la rampe. Utilisez l'appareil RPL, vide, puf, gueuse, puf. J'ai appuyé sur la puf. Vous avez pué. Je crois que j'ai fait une bêtise, Billy. Qu'est-ce qu'elle a foutu comme merde? Regarde, c'est magique. Oh là là, c'est super. Amène-toi. Tu me donnes pas d'ordre. Je t'entends de venir ici. Ok, j'arrive. Et moi, je prends la maniboule. Allez. J'espère pour toi qu'elle sert à quelque chose, la maniboule. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Tu m'as dit de venir. Non, je connais. On fait une partie de Peter. De Peter, si tu veux. Il y a des billards, mais pétanque, mais tu c'est. Tu fais pi, je fais teur. J'en ai tué un. Y'a un cadavre, regarde-moi ça. Ça va pas. Voilà, comme c'est ça, dégueulasse. C'est bon. Une chambre, je vais pouvoir me coucher. Zut, il a déjà pris le lit. C'est con, hein. Je tire ses grolles. Ouais, tire-lui autre chose. Fais-lui une petite gâterie, je veux voir comment il tu fais. Il est en train de dormir. Tu fais. Ça n'a bien un bout de temps qu'il est mort. Merci. De rien. Donc il est là. Je me cache, moi. Dégage. Je sais pas pourquoi on est foutu là. Attends, je vais prendre un truc. Arrête de tout piquer, tout ce que tu trouves. Voilà. C'est pas à toi. Remets-le. Dégage. Alors, je vais tout dire à la police de Raccoon City. Mais enfin une montre en or. Je peux plus pas emmener cet objet. Bon, prends-le, bouffonne. Non, moi je laisse là parce que je suis pas une voleuse. Fais-lui une petite gâterie et tais-toi un petit peu. Je vais lui acheter une gâterie, ok. Alors c'est où les... Prends la gerbe verte. Putain, mais ils auraient pu faire la fusion. Allez, ramène ton cul. Tu me parles autrement, Simone? J'arrive, franchement. Bon, t'avances ou t'as envie d'y 14h? Si t'as enlevé la pause. C'est par quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il faut prendre cette porte, je le sais. Ta gueule, laisse-moi faire, c'est les hommes qui commandent. Vous devez prendre votre porte. Ok, comme tu veux. putain. Reste derrière moi. C'est une fenêtre. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? Barry? Oh! Oh!
Oh putain, il est immense, qu'est-ce qu'il est beau, il est viril. Oh, oh je me casse. Oh, il y a un collègue quand même. Allez, vite, sauvons-nous, vite. C'est trop dangereux de monter pour l'instant, on lui va friter le monstre. Oh là là, il est dérouillé là-bas, là. Attends, je dégomme. Vas-y, je compte sur toi. Je dégomme d'abord le mur, pour voir si mes balles traversent. Oh, ça fait mal. Oh, ouais, aïe, 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 aïe. Je t'ai fait un demi-tour arrière. Il est dangereux. Finalement, je ne le fais pas. Merci. Oh, attends, moi. Elle va crever, la colle. Ah, putain, il m'a crevé. Ah, t'as réussi à t'en sortir. Je t'avais dit qu'il fallait prendre la porte. Vite, il est là. C'est par là. Tire, tire, tiens. Ah, c'est tellement vas-y, mal. Je l'ai loupé. Attends, reste là. Reste ici. Tiens, ça prendra. Reste là. Là, reste. Oh, merde. Oh! Eh, je l'ai eu dans le dos! Moi je l'ai eu aussi! Tiens! Et puis tiens aussi! Puis tiens, je l'achève! Attends! Tiens, moi tiens. Je vais faire mes cours! Tiens! On peut pas sortir d'ici! Par la fenêtre, non? Merde! Ah bah voilà, je l'ai buté! Oh! Tu montes super bien à l'échelle, tu fais un bruit monumental avec tes souliers c'est pas en, moi, en y a, verre. Il y a un cheval qui passait dans le coin. C'est quoi, ça va faire? Aïe! Oh, tu m'as marché sur la main. Bien fait pour toi. Oh. Oh là là. T'as un problème de voix? Allez, reviens ici. C'est une petite nacelle. Rémeca pourrait sans doute y monter. Monter dans la nacelle. Bon, je monte, hein. Mais pas de bêtises. Ah, super, c'est dedans, c'est trop cool. Applique, Billy. Arrête de mettre tes mains devant ta bouche. Ta gueule. Non, ça ne sent plus. Ouais, génial. Oh, ce cruche, elle a enlevé l'eau, c'est bien. Ah. C'est quoi ça? C'est un crapaud. Oh, il m'a fait mal. Oh, content. Ah, salaud. Oh, il n'a pas de lunettes, celui-là. Oh, je suis assez con pour me le remettre dans la gueule. Hé, hey, salut toi, comment ça va? C'est quoi? C'est qui? C'est qui? Hé, hey, tais-toi. Bonjour, au revoir. Attends, j'ai besoin de toi. Oh, il y avait un problème, faut là. Faut-moi que tu fasses la courte échelle pour que je monte. Il y a 15 chances sur l'étagère. Aider Rebecca à monter. Allez, bon. Oh, femme lettre. Oh, t'es lourde. Vous ne pouvez pas emporter cet objet. Pas t'as chance, vraiment hein. Trop conne, t'es monté sur moi pour rien. Bon, alors, vas-y. Hop là, c'est reparti. Oh là là, comme elle est lourde. Eh, oh là là. Ah mais je vais pouvoir prendre le truc, maintenant. Super, je l'ai. Hop allez. Là. Hop, ah. RTL, j'arrive. La vengeance est arrivée. Suis-moi par ici. Alors tu sautes dans l'eau, tu ramasses tous les... je veux chez moi rentrer chez moi. Par ici, suis-moi. Il n'y a pas un lit avec un coussin. Un coussin. Et le bon de drap. Suis-moi. Par ici. Et quand est-ce qu'on arrive? On arrive où? On n'en sait rien, moi. Et quand est-ce qu'on arrive? Oh pas. Ah, par ici. Je suis sûr. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la sortie. Madame. Ouais, il y a de l'eau, il y a une piscine. Allez-y, pousse-toi, madame. Pousse-toi. Faites quoi? Hey, j'ai de l'acide sulfurique. Ouvre la bouche. Voulez-vous le goûter? Ouvre la bouche. Hein, c'est quoi? Ouvre la bouche. Et glou. Cette solution d'acide sulfurique dilué peut servir de l'équipe de batterie. Eh, mais on a une batterie! Si, je l'ai mélangée avec! À ne boire en aucun cas.
C'est bon, Billy? Ouais. Tu peux me balancer les fils, je peux t'alimenter de la batterie. Une batterie haute puissance qui fournit du courant à des machines haute puissance. Elle est pleine de liquide de batterie. Haute puissance. Vous n'auriez pas vu ma montre, s'il vous plaît. J'étais bon. Une coincée avec un cadran en or. Ah bah, tu gros con. Ah, j'ai baillé! Il y a des lits! C'est lui qui me donne envie de bailler! Force de pioncer comme ça! Oh! Allez, fais une sauvegarde! Comment on fait? Je sais pas faire! Ok, bah je vais le faire moi! Merci! Bouge-toi! Je sais pas faire! Bon, reste ici alors! Je reste là! Moi je vais me faire un petit mode solo! Eh, hey, attends, tu te fiches de ma gueule là ou quoi? Bah quoi, je dors! T'as, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? D'ailleurs, ramène ton cul! Oh, mon cul, il est là! Allez, suis-moi, tu voulais me laisser tranquille, toute seule? T'as pas honte? C'est pas moi qui ai fait le scénario, hein? C'est pas moi qui ai fait le jeu non plus? Ah, c'est pas moi qui ai joué, hein? Bon, allez, par ici. Oh, une porte! Eh? Ouais, mais ça en fait du bruit! Bonjour, bon, bah, on va alors. Je vais même le faire moi-même, hein? Oh, mon cul! Ah, il est. Il a pas de, il a pas de sexe. C'est un escargot. Carte d'accès, utilisez la carte d'accès pour aller au dernier boss. La sœur est débloquée. Vous n'aurez plus besoin de cette carte. L'acheter dans les égouts. Tu restes ici, je m'occupe du boss tout seul. Hi. Il dit oui en plus, on dit con. What is it? Bienvenue mes enfants, je suis ravi de vous voir. Vous êtes mes invités d'honneur, après tout, mes Kamalamar vont vous tuer. Et on a des petits fours alors? Hey, c'est Marcus? Non, c'est impossible. C'est pas chez quoi? Spencer m'a assassiné. Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, lui! Oh my god! Alors, Spencer, toujours en train de dormir? Je vais m'occuper de mon cher. Burkin! Mais c'est pas quelque chose de fantastique! C'est une amitié qui était dans ma chambre sur elle! À une nombreuse année avant de me redonner une nouvelle vie. Je suis en vie. Je vais pouvoir me venger d'Umbrella. Ah, vous allez payer, nom de Dieu. Oh, tu veux que je te paye combien? En euros? En yen? Oh, la plaque dégueulasse. Oh. Oh, c'est dégueulasse! Ah, c'est peur! Tiens, au prochain épisode! Tiens! Ah, je vais me le faire! Tiens, prends ça! Tiens, tu m'as loupé! Tiens! Tiens, ramasse! Comme un gros lâche! Tiens, tu es moche! Et tu n'auras jamais ma beauté! Viens! Et remets ça dans ta gueule! Attends, je me mets derrière! Attends, il m'a tapé là! Viens! Tiens, le roue de la mort! Qu'est-ce qu'il fout derrière? C'est le roue de la mort! Et tiens! Attends, qu'est-ce qu'il fout? Tiens!
Mais je vais par ici. Mais et je t'attaque par derrière. C'est Ronald. Et tiens. Oh, ça va pas, Billy? Ça va, tu veux que je te régénationne? Attends. Tiens, prends ça. Tiens, je te tape. Tiens. Tiens, je te tape. Ah, t'es fait mal. Vas-y, attire ton attention. Oh, ah. Je t'ai dit de te remercier. Il m'a mis un coup de boule. J'espère que le jeu n'a pas coûté très cher. Si, un peu, mais bon. Ah, ben merde. Allez, va à gauche. Moi, je vais là. Reste là, je te... Allez. Attends. Moi, je vais à droite. On met la clé en même temps. À la 1. À la 2. Ou à 3 avant. À 3 tout de suite, tu vois, prêt. Maintenant. 1, 2, 3, et on y va. Non, tout de suite. 1. Bon, allez. 3, 2, 1, tu l'as mis. Oh, une porte. Où tu vas? Ça, c'est tellement original. C'est moi qui ai le ruban. Il y a une machine à écrire. Et il y avait une machine à écrire, mais vous avez fait pause. Non, là, je suis pas fait pause. Oh là là, comme t'as fait ça, on n'a rien vu, hein. Eh, mais c'est super, on dirait une plateforme comme dans Resident Evil 2. Ok, j'y vais. Quoi? Qui a parlé? C'est la retenue. Non, c'est la reine. La reine dit quoi? Elle. Bip. Bip. Le système d'autodestruction a été activé. Hein? Pour être original, exécutez les lieux immédiatement. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Le système d'autodestruction... Oh, mais ça ne marche pas! Quelle originalité! C'est vraiment trop blanc. Bon, qu'est-ce que tu fais? On va se prendre la gueule. Oh, mais ça marche pas! Ouais, t'as plutôt. Tiens, moi je m'en fous, j'ai une grenade. Ah, mais moi j'ai un pistolet, on va aller très loin. Putain, j'ai échappé vite. Tiens, prends ça. Je vais fondre. Eh, Billy, ne supporte pas la lumière du soleil, j'ai remarqué. Il faut ouvrir les fenêtres. C'est vrai, t'as pété, ça pue. Oh, voilà l'activation des fenêtres. Hein? Eh, suivez-moi, gonzesse. Et je croyais qu'on se tutoyait. Ah. C'est ça, un bouton pour ouvrir les fenêtres? Je suis plus trop sûr. Occupez-vous des fenêtres, je reste... Compris. Pendant que je distrais sa majesté. Alors, comment utiliser la porte? C'est pas les portes que je vais utiliser, c'est les fenêtres. Votre majesté, voudrez-vous un café? Oh tiens, un café dans ta gueule! Et une tasse de thé dans ton cul! Et un petit sucre dans... Aïe! Oh, bien fait! Apparemment, il aime pas le sucre. Ah voilà, et une... Tenez, un petit gâteau. Attends, elle est où la seconde fenêtre? Il y en a plus. Tiens, il y a des cigarettes de l'acre. Pour ton petit café, madame et madame majesté. Ah, mais vous, son fion. J'aimerais bien savoir ce que tu fais avec ces trucs. Je suis en train d'ouvrir les fenêtres. Tiens, ma majesté, tenez un petit sucre. Un petit sucre avec votre ciel. Hey, il m'empêche de passer, bourreux. Oh, attends, c'est... Attends, voilà, c'est fait. Ah, j'y vais. Il a une fiancée, une fiancée qui pue. Je te tourne autour, est-ce qu'il voit pas? Ah, elle avait pas ici, qu'est-ce que... Ah, il crache, là. Tiens. Ça y est, mort. Ben voilà. Non, c'est ça que je fais. Oh. Oh, la lumière du soleil. Aïe. C'est trop mal. Oh, un magnum. Ça remplacera mon lance-grenade. Tiens, Billy. Ah, c'est quoi? Ouais. Je vais mourir. Thank you.
Oh, tu vas mourir, la reine! Tiens, avale-moi ça dans ta gueule! Ouais, je te l'ai fait à la Matrix, s'il te plaît! Oh, j'ai courir, Rebecca, je vous en prie. Ah, c'est le paradis. Ah. Oh. Ah là là. Ah, ah, il l'a fait 2 mètres. Aïe. Oh là là. Ah. Oh. Oh, c'est bon. Ah. Ça doit être le vieux manoir de Paul Enrico. Oh, c'est bien. Mais quoi, tu couches? C'est le manoir de Resident Evil 1. Eh, on y retourne, on va ouvrir les portes. Bah, tu viens avec moi. Tiens, filme-moi ça. Eh, ma majesté. Alors c'est le moment de se dire au revoir. Hein. Bon, je garde ça en souvenir. Hein. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Officiellement, le lieutenant Bill Cohen est dead. Eh ouais, je ne sais même plus comment un zombie s'appelle. Tu t'es transformé en zombie? Ouais. Ouais. Tu t'es arrêté de dire des bêtises. Adieu. Oh non, j'ai pas envie qu'elle parte. C'est quoi son prénom? Enfin débarrassé. Merci, Rebecca. Yeah. Ouais. Resident S au classement avec un temps de 13h11.39. Appuyez sur Start. Oui, vous avez obtenu le pistolet mitrailleur. Appuyez sur Start. Oui, vous avez obtenu le lance-roquette. Appuyez sur Start. Vous avez obtenu une porte. Appuyez sur Start. Hé, d'eau. C'est une chute d'eau. Chute. Chut, faut pas parler. Il y a des monstres. Laisse-les bouffer. Excusez-moi. Ta gueule, en train de bouffer. Tu vois pas qu'on est en train de bouffer? Excusez-moi, je vais juste prendre la pièce, la clé. Yeah. Ok, oh, merci. Oh! Il y a de la nourriture. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, la bibliothèque par hasard. Tiens. C'est par où? Viens voir la bonté. Non, on va se promettre. Tiens. Oh. Oh là là. C'est super, travail d'équipe. J'ai tellement eu peur. Bon, alors il faut. Bon, tu vas la mettre ta culotte là dans la penderie. Ah mais merde, c'est trop lourd ce truc. Ah c'est trop lourd hein. Ah, c'est de l'autre côté. C'est con hein. Attends, je me mets là pour pas que tu pousses. Saloperie, dégage. Vas-y, continue. C'est rigolote. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, fais-le toi si t'es pas doué. Ouais, je suis doué. Regarde. Ouais, comme par hasard, ça bouge maintenant hein. Ouais, c'est comme ça hein, quand on a les muscles. Bon allez, c'est moi qui prends le truc, ça t'apprendra. Ah, oh. C'est bizarre, on a changé. Ok, alors ça c'est pour la photo finale. Premier à la pause. Cheese. Ah, c'est génial. Ouais, alors. Il y a une bouche qui vient de passer. Ah bon? Ah, toi aussi tu l'as vu. Elle était au moins comme ça. Non, ah ça c'est mon pistolet. Non, c'était mes notes ça. Ah ouais.
Ça fait, faut vraiment que tu prennes des lunettes. Qu'est-ce qu'il y a comme mot? Oh putain, il y en a encore une qui vient de passer. Ah, je vais mourir. Oh, Rebecca, tu vas mourir. Ah oh, tu es mouru.